What's up, gangsters? Fait que je vais essayer de garder ça court pour cette vidéo. Ça fait déjà une semaine que j'ai terminé Crime de Irvin Welsh. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur du roman Trainspotting. C'est comme ça qu'il était connu. Parce que suite à... Peu après, il y a eu un film de Danny Boyle qui est sorti sur Trainspotting. Ben, Trainspotting a été adapté au cinéma par Danny Boyle. Fait que, bon, ça fait déjà une semaine et demie que je l'ai terminé. Fait que je commence déjà à oublier. Mais ça m'a pas tant marqué que ça. Sur le coup, j'aimais ça. L'histoire était fluide. Ça, c'était pas super... Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus cru, un petit peu plus edgy. Je sais que je dis tout le temps edgy, mais je n'arrive pas à le traduire. C'est pas tout à fait avant-gardiste, mais... C'est mon premier roman d'Irvin Welsh, fait que je m'attendais à quelque chose qui ressemblerait un peu à l'atmosphère du film Trainspotting. Écoute, c'était un peu... Bon, OK, c'est l'histoire d'un détective qui essaie de démanteler un cercle de pédophilie à Miami. Bon, il y a un problème de coke, fait que c'est comme, OK, c'est un peu genre cru, c'est un anti-héros. Mais j'ai pas trouvé ça tant... J'ai pas trouvé ça si edgy que ça. Et... C'est une histoire assez straightforward, là. C'est pas mal lui qui est avec sa fiancée à Miami. Puis là, il rencontre pendant une soirée des femmes, puis là, il retourne chez eux, puis là, il y a une petite fille qui est là, puis sur le coup, bon, je vais pas dire de spoiler, mais... En tout cas, ces deux histoires, c'est dans le présent, il essaie d'aider une petite fille, puis il y a des flashbacks de lui à Edinburgh, donc en Écosse... Puis c'est des bribes de ses enquêtes avec deux tueurs en série, une affaire de même. Un peu à la Hannibal ou ouais, c'est ça. Fait que... C'est quoi j'en ai pensé? C'est mon premier, fait que... Je vais y aller par comparaison. J'ai lu un roman de Palahniuk récemment. J'ai lu Rent. Puis j'ai beaucoup plus aimé ça que Crime. Puis aussi, une autre chose que j'ai pas mentionné, c'est que ça, c'est la suite de Filth. Mais ça, je l'ai juste su par après. Je pense que si j'avais su, je l'aurais pas lu. Je l'aurais lu en ordre. Mais j'ai pas vu le film non plus. Basé sur Filth. Mais c'est ça, j'ai pas... Tu sais, sur le coup, je suis comme, OK, ouais, c'est le fun. Mais c'était pas aussi... groundbreaking que Rent, disons. Mais peut-être que je compare un des meilleurs de Palahniuk avec... Je pensais que c'était un de ses meilleurs. En tout cas, fait que ça, cette année, je voulais juste échantillonner plusieurs auteurs. Ça, c'est plus dans le moderne. J'ai pas tant trippé, mais je vais quand même lire Skag Boys, que j'ai dans ma bibliothèque, qui est le prequel de Trainspotting. Fait que je donne une deuxième chance. C'était vraiment straightforward. Je m'attendais plus à un anti-héros plus fucked up. Je m'attendais à une histoire plus crue, plus bizarre. Et je me suis retrouvé avec une histoire un petit peu plus straightforward. Genre les bons versus les méchants. Les gentils versus les méchants. J'ai bu en fin de semaine, c'est pour ça que je suis encore plus retardé que d'habitude. Donc, dites-moi si vous avez lu d'autres Irvin Welsh. Moi, ça me...
J'ai pas tant aimé ça. Je donnais un 7.2. Quand je lisais, j'aimais ça, mais après réflexion, j'étais comme, ok, c'est pas si. Je m'attendais à plus. Fait que. Je vais garder ça court. Si vous avez lu d'autres Irvine Welsh, dites-moi ce que vous en pensez. Et peut-être conseillez-moi un autre roman de lui. Et. Peut-être Filth. J'aurais peut-être dû lire Filth avant, mais il mentionne un peu, il y a des flashbacks, il mentionne c'est son ancien partner, que je pense que c'est le personnage principal de Filth. Et c'est un peu, comment je pense, hein, c'est un peu n'importe comment, parce que, bon, j'ai bu ça cette semaine, mais ça fait déjà une semaine que je l'ai lu et je suis déjà en train d'oublier. C'est quand même. Il y a beaucoup de. C'est dur, je trouve, de parler de roman parce que beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un roman, puis. Tu sais, ça c'était quoi? 300, 400, 350 pages environ. C'est quand même tough de. C'est tough. Peut-être que je devrais plus faire ça, je suis trop cave. Mais. Moi, j'avoue, je m'étais dit que j'allais mieux me préparer. Mais ce qui est arrivé en fait, c'est que je me suis vraiment mis dedans, j'ai lu ça d'une traite que j'ai adoré. Mais à la suite de ça, puis j'ai lu ça aussi, fait que j'ai comme lu beaucoup de romans d'une shot. J'ai fini Thérèse Raquin. Puis j'ai pas eu le temps de faire de vidéos, fait que plus le temps avance, plus j'oublie. Même l'histoire. Mais bon, je pourrais vous conter l'histoire, mais je pense pas que c'est le but. Je vais pas vous spoiler. Mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi peut-être comment ça se compare à le reste de ses œuvres. Tu sais, j'ai pas détesté, mais. Je donne une autre chance avec Skag Boys. Puis recommandez-moi d'autres trucs d'Irvine Welsh. Puis dites-moi comment ça se compare à le reste de ses œuvres. Mais pour l'instant, je préfère Palahniuk. Et fuck ça. Ça, c'était nasty. Ça, quelque chose d'edgy et avant-gardiste. Là. Et à la fois philosophique, puis plein de. Ça c'est, comme, t'sais, ça, c'est sûr, je le relis pas, même que je pense que je vais aller le revendre au magasin. Mais lui, je vais le relire. Puis ça m'a vraiment donné le goût de plus lire de Houellebecq. J'avais lu. L'extension du domaine de la lutte. Mais bon, je ferai une autre vidéo mieux préparée à que je parlais de ça. Les particules élémentaires. Fait que c'est ça. Mais pour ça, dites-moi ce que vous en pensez, puis si vous avez des commentaires par rapport à la reste de son œuvre. Alright, peace, à plus.